Qui te l'envoie? Acceptes-tu? C'est parti. Oui. Alors, c'est parti, tu peux relever le défi. Pourquoi ils font faire ça? Tu vas voir. Je comprends pas beaucoup. C'est un peu comme une chasse au trésor. C'est une chasse au trésor. Enfin, un petit peu comme. Un petit peu comme, tu vas voir. Tout comme. Ça va te donner un résultat. Alors, je sais déjà ce que c'est un doigt, j'ai mal fait le doigt. Très mal fait. Très mal fait. Le 15, il est où? Là. Oui. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh non, j'ai oublié le 28. Là. Oh bah je l'avais même pas vu. Tu l'as dit et tu l'as oublié. Oh bah j'ai fait au moins le carré. Ouais, c'est pas grave. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ouais. 37, il est où? Je suis désolée pour mon petit frère, il se fait mal pendant les vidéos. Vas-y, essaye. Non. Non. J'ai essayé de trouver le... Ok. Les 50. Les 50? Bah, pourquoi là, rien? Bon, à mon avis, ils sont pas éteints. Mais ça doit être 50. Attends. 50, là. Bah non. Lui, c'est le 50. Comment tu le sais? Bah parce que ça se voit avec la forme des autres. Je pense. Ouais. Bah maintenant, comment tu remontes au 53? On m'a dit c'est 51, 52, 53. Oh, un petit cœur avec des doigts. Ouais, mais le corps là, le cœur bah, est vraiment bizarre. Ses traits sont un peu plus bizarres. T'es prêt? Ouais. Tada! Alors, premier mot. Qui est ce nain? Ce nain? Ce nain de blanche. Ouais. Il a un 10. Il a l'air plutôt. Plutôt content. Content, bravo. Il est gentil. Non, comment il s'appelle lui, le nain là? Tu connais aucun nain? Maman, c'est moi qui regarde. Tu sais quoi, non? Vas-y. Il s'appelle Joyeux. 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 J-O-Y-E-U. Adieu. Ah oui, bah c'est très bien. Dans file. Ta chambre joue sous l'oreille. Sous l'oreiller. File dans ta chambre sous l'oreiller. Ok, bah vous venez avec moi. Bah bien amis. Sûr, on vient avec toi. Allez, on pop pop. Maman, on va dire j'espère. Alors, on est dans la chambre, file sous l'oreiller. Ok, file sur l'oreiller. Oh! Bon, bah on repart en bas. Ah non, on va le faire ici. Alors. Il dit quoi? J'ai oublié le stylo. Deuxième mot. Un 10. Un nu. Un âne. C'est quoi alors? Anne, anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Regarde sa petite fille, tout content. Après? Lundi. Oui. Suivant. Suivant. Et cache
derrière une photo d'une belle journée qu'il qui m'a rendu fière. Indice, photo et peinture. Oui. Bleu derrière. Oui. La photo. La porte. Ah, je sais. Derrière la porte. Je sais. Happy Quick. Non. Là, derrière la porte ici. Ah, deux autres petites feuilles. C'est quoi la journée qui a rendu fière? Regarde. C'est quoi toutes ces photos? C'est ton. Non, c'était pour son baptême. Ah. C'est un cadeau pour son baptême avec plein de photos de toi. Ça c'est moi. Là c'est toi. Je t'ai mis. Alors vas-y. Je prends maintenant. Eh ouais, mes potions. Ah parce que je vois la dessus. Ouais. Bon les amis, vous êtes prêts? Allez. Vas-y. Ok. Juste là, j'ai pas le stylo. Je l'ai, attends, j'arrive. Non. On a changé de style, parce que je vois. L'indice suivant, je trouve loin d'ici, mais non, attends. Penche. Ouais, mais ça va. Un petit pendu. Un petit pendu, tu sais ce que c'est un petit pendu? Ah, je peux. Il faut que tu trouves les lettres qui sont là. Et si tu trouves pas, tu es pendu. Ah oui, je connais ça. Ah jeu, bon ouais. Vas-y alors, l'indice. C'est quoi? Indice, il marqué là. Indice. Contraire de mince, maigre. Maigre. C'est quoi le contraire de mince ou maigre? Il est là le mot que tu dois deviner. C'est quoi le contraire de mince ou maigre? C'est qu'on est léger. Qui commence par un G, tu as raison. C'est quoi? Quand on n'est pas mince, on est gros. Bravo, Ethan. Bon, c'est pas grave, ça marche pas, t'inquiète. C'est gros, c'est bien. Alors, l'indice suivant. Se trouve dans la tour d'un château. Dans la tour d'un château. Ah oui, le Playmobil. Ah. Oh, là. Si. Deux. Vas-y. Ça, c'est la fin. Fais d'abord ça. Une fois oui, ok. Alors, deuxième lettre de la de l'alphabet. Regarde. B. Là, regarde. Le petit dessin correspond à quoi? Au B. Bravo, B. Vas-y, tu peux mettre un B ici. Je sais pas si tu peux arriver sur ton lit, ouais, Doudou. Ouais. Attendez, je vais le tenir pour toi. Oui, fais-le par terre, d'accord. Ah oui, en fait, il a plus de. Ah, il y a peut-être plus d'eau. Qui marche pas. Donc, c'est un B. Dans ma chambre. Je retiens B. Ok. C'est ce qu'on va faire, on va même le marquer. Ouais, on va l'écrire. B. Et gros, oui, retiens, B, gros. Je retiens. Ok, du coup, le deuxième, c'était quoi? Ben. Joyeux anniversaire, gros B. Et après, les autres lettres. T'as fait qu'une lettre là, Doudou. La neuvième lettre. G. Non, je t'aimerais. Bah, regarde. Là, non. Ah, regarde, oui. Il est pas dans le même sens. I. Ok. Ok, plein de cœurs. Là, cherche les petits cœurs. Oui. C'est quoi cette lettre? S. B-I-S. Après, un seul cœur. Bisous. Ouais, bravo. Richard. Non. Oh. Joyeux anniversaire, gros bisous. Odile, qu'est-ce que et ça, qu'est-ce que c'est? L'indice suivant, je trouve loin d'ici, mais pense à toi très
avant, mais tu pourras trouver un indice après auprès de maman. Je suis maman. Ah bon, dommage. C'est qui? C'est ma marraine. Ouais. Cathy. Ouais, ta marraine. Ta marraine. Oui. J'ai un petit message pour toi. Attends. C'est. Bah, c'est marraine. Attends, je vais voir si je peux le mettre en grand. Voilà. Coucou mon cher Ethan, je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que tu vas bien et que malgré tout ce qui se passe, tu as pu passer une belle journée. Je pense très souvent à toi et je regrette énormément tout ce temps que l'on ne peut pas passer ensemble. Sache que dès qu'on en aura l'opportunité, on fera ce qui te plaira pour fêter le jour de ton anniversaire. On ira où tu voudras et on fera ce qui te plaît le plus. Je te fais de gros bisous, je pense très fort à toi et tu me manques beaucoup. Bon bah merci. T'es content? Attends, j'ai collé. Regarde, fais un petit message toi aussi à ma reine. Attends. Salut ma reine, merci pour ta petite activité. On l'a mis en vidéo, j'espère que ça va te plaire. Ouais, on va bah, le voir. Bye. Oui.